Et salut à tous, c'est Dao. Oh non, je veux pas faire ce jeu. Attendez, j'éteins la petite lumière histoire que on soit dans le noir et tout là. Oh non, 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 non. Oh non. Je veux pas. Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui s'appelle Souls Night at Rachel's. Je prononce super mal. C'est un petit peu comme un Five Nights at Freddy's, mais apparemment c'est encore pire. Voilà! Bon, bah on va se quitter là, pas besoin de faire le jeu. Non, mon dieu, j'ai pas envie, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Non, mais je me suis dit, ça fait un moment que j'ai pas fait de jeu qui faisait vraiment peur et tout. Et j'ai pensé à ça, mais c'est pas une bonne idée, en fait. C'est pas une bonne idée. Alors, c'est une démo. Le jeu est gratuit, me semble-t-il, donc on teste la démo, et si on voit que la démo est cool, bah, on fera peut-être le jeu. Voilà! Alors, je vais voir rapidement les options. Alors, je peux le mettre en full screen. Mais je préfère le mettre comme ça, parce que ça m'arrange pour le truc. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça donne, André? Je vais juste regarder ce que ça donne, quand même. Ah ouais, ça me fait juste en plus grand. À la limite, je peux peut-être le mettre comme ça. Ouais, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Merde, il m'a redéplacé la fenêtre, espèce de gros incompétent de merde. Mais j'ai pas la fenêtre. Non, c'est moche. Je peux pas déplacer la fenêtre comme je veux. La fenêtre est hyper mal cadrée. Please, putain, c'est super relou. Oh là là. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est mieux. J'ai pas envie de commencer le jeu, j'essaye de... comment vous allez les moignons aujourd'hui? Si on parlait d'autre chose, hein. Donc c'est parti, on va voir ce que donne cette démo. Oh, j'ai pas envie, première nuit. Alors je crois qu'on peut se déplacer un peu plus que dans Five Nights at Freddy's, n'est-ce pas? Je vais planter ou... Ça m'arrangerait, dis donc. Non mais, non, attendez. Il m'a redéplacé la fenêtre, ça va me gaver ça. Là, si à chaque fois qu'il y a un chargement, il me déplace à la fenêtre, ça va être chiant. Ok. Il m'a redéplacé. Il me l'a redéplacé. Non mais stop quoi. Le jeu commence déjà à me gaver quoi. Non sérieux, c'est relou. Je crois qu'on va le jouer en petit hein, si ça continue. Ok, on va le jouer en petit. Non mais ok. Tu vas chercher la merde, on va le jouer en petit. Je suis désolé. Je voulais essayer de me faire plus peur et tout, me mettre plus dans le truc et tout, mais non. Non, ce truc est con, putain, mais stop. Non, là, il est en train de me gaver. Ah, il me gave. Et stop. Stop. Tu te tais. Laisse-moi déplacer ma fenêtre. Voilà, et arrête de me la bouger. Tu ne me bouges plus la fenêtre. Putain, c'est quoi ce jeu, quoi? Il commence déjà à m'énerver, là, il cherche la guerre. Bon, voilà. Ok, donc ça sera un peu moins immersif parce que j'ai une petite fenêtre. Next camera. Hello. Are you there? Run. Hi. Ah mais attendez. You must be the new night guard. Well, if that's the case, which it probably is. But I'm supposed to help you with our amazing. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on peut se regarder comme ça. It's a bit cheesy, but putain, je comprends rien. Right. Well, for starters, the company thinks that putting up security cameras in practically any corner is alors, going aide, to help. Ok. Honestly, I don't think it will. Comment on fait pour fermer ou ouvrir les portes? Anyway, ok, j'ai bougé la peluche. Security cameras using the arrow keys located on your keyboard on the desk, allowing you to track any part of the building at any time. But let me tell you, power bill has been expensive. Ok, là j'ai fermé la porte. Ouais, tous les contrôles sont inversés, donc ça va être un peu relou. Ok, d'accord. D'accord. Comment je fais pour changer les caméras? Ok. Donc ouais, c'est un Five Nights, hein. C'est 2h du matin. Ouh, y en a un là. Ok.
which has pretty much been deserted for some time. However, we je peux pas courir par là, ok. Il y a juste par là que je peux courir. Ah, c'est pour fermer les rideaux. Ok, ok, ok. Oh là là, ça a l'air compliqué. Ça, c'est pour me cacher. Je peux pas rester là, je suis bien là, moi. Sous le bureau, je suis très bien. Skim phone call, ouais, ouais. On va skip, je suis désolé, mais il n'y a pas de sous-titres là, je comprends rien à ce qu'il dit. C'est de me concentrer sur le jeu en plus. Alors attendez, c'est... Oh putain mais... Oh... Y'en a pas un qui va disparaître? Ah c'est perturbant de pouvoir tourner la tête comme ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je préférais pas de pouvoir tourner la tête. C'était mieux. Qu'est-ce que je vois là? Je sais pas. Je comprends pas tout en fait. Où on est, nous, par rapport aux caméras? Et les deux portes que je peux fermer, là, elles sont où? Ah, c'est... Oui, d'accord, ok, gauche-droite, là, ok. Ok, ok, ok. Je suppose. J'ai pas de batterie, ici, donc je peux laisser allumer, en fait. Ah, de tourner la tête. Ok, je vais aller vérifier le rideau. Le rideau se rouvre tout seul. Par contre, ouais, je suis obligé de passer avec les flèches, donc je suis obligé de lâcher ma souris. Mais en fait, j'ai pas besoin de ma souris, donc je suis bête. Ah si, moi je suis là. C'est le... Moi je suis le point rouge, hein, c'est ça. Donc, attendez. Les caméras qui sont vers le point rouge. Là. Y'a rien. Ok, très bien. Là. Oh putain, putain, ça va me stresser, sérieux. Ah là, y'a un truc. On dirait un... Ok. On dirait un Teddy Bear. Ouais, ils sont assez loin pour le moment, hein. Ils sont assez loin pour le moment. Ouais, en fait, j'ai pas besoin de la souris, donc je suis un peu bête. Attendez, je recours par là. Je sais pas pourquoi ça... Faut le laisser fermer? Ça se rouvre à chaque fois qu'il se passe. Ah, ça y est, j'ai fini la première nuit. Oh, bah ça va! Ça va, c'était tout simple. Alors, ce n'est que la démo, alors je sais pas où elle s'arrête. Deuxième nuit. Ça va. J'ai stressé de ouf, mais en fait, il s'est rien passé. Allume mes caméras. Merci. God damn it. Hello. Ouais, je t'entends, mec. Welcome back to Doug and Rachel's. Ouais, donc c'est comme dans Five Night, il m'explique ce qu'il faut faire. Company didn't really want me to record any more phone calls after your first night. But I figured why not. Je préférais quand on pouvait choisir les caméras qu'on voulait voir là. Je trouve pas ça bien pratique. Ah si, il y a du power. Ah oh, putain, je peux faire comme ça aussi. Oh. Je l'ai okay. Cours. Pourquoi c'est ouvert ça? It seemed to actually move around the building and no one knows why. Actually, one of the night guards tried to do some investigating himself, which probably was the dumbest idea ever. Poor kid. Tranquille. It's safe to say that it didn't end particularly well. Tant qu'il y a rien dans les pièces à côté de moi, moi ça me va. Other than that, nothing really happened recently. Ça me stresse de pouvoir tourner la tête comme ça. Ah, il y en a qui se déplacent. Fifth night guard right now. Bon, on va le skip, hein, il m'agace. Il m'agace, on comprend rien ce qu'il dit en plus. Et non, je ne vous ferai pas la traduction. C'est mort. Je me cache. Je suis bien là. En plus, regardez, je vois les portes. Ah non, j'en vois qu'une. Chut. Chut. Je crois que j'ai entendu des bruits de pas. Mais quoi? C'est quoi ce délire? Il est arrivé par où, lui? Ah, en plus, je crois que c'est un des personnages de Five Nights at Freddy's 2 que j'avais fait vite fait, mais pas avec vous. Ah, c'est le Jack in the Box. Ah, déjà que je l'aimais pas avant, lui. Ah, non, je sais pas si je veux continuer ce jeu. En plus, j'ai même pas compris par où il est venu, le mec. Attendez, je reprends des forces.
Bon, on va faire un essai. Si je remeurs comme une vieille merde, on arrêtera. Attendez, oui, ma souris. Continue. Ah, c'est quoi ce délire, quoi? Il est arrivé par où? J'ai rien compris. Je regardais tout, je l'ai pas vu sur les caméras. Le truc, c'est que j'en suis sûr qu'il me donne des instructions très utiles au téléphone, mais vu que c'est tout en anglais et qu'il n'y a pas de sous-titres, je vais rien comprendre. Ah, il y a un cochon. Ah, mais il est creepy. Oh yeah. Bon, comment il est arrivé, l'autre? Est-ce que ça serait pas le rideau? Non. J'arrive plus à baisser les épaules. Attendez. Oh putain. En plus, ça franchement, c'est limite plus effrayant qu'un truc qui vous saute dessus avec du bruit, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Donc vous y attendez pas, quoi. Ah. C'était terrifiant. Je vous jure, si le Jack il me ressaute dessus, ça a chier. J'ai peur. Je vais aller ressauver. Ok, on retourne au rideau. Parce que le truc il arrête pas de s'ouvrir. Je sais même pas ce qu'il y a derrière les rideaux en fait. Donc à tous les coups, c'est par là qu'il est arrivé. Oh, il y en a deux qui me regardent. C'est mignon. Pour le moment, j'ai pas eu besoin de fermer des portes. Eh, mais ça s'ouvre toutes les 5 minutes, ce truc. J'en suis sûr, il est venu du rideau, l'autre. J'en suis sûr. Le Jack, là. Y en a un pas loin, là. Je vais peut-être fermer la porte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, est-ce qu'il y en a deux, regardez, pas loin, là. Je vais retourner vers le rideau. J'en suis sûr, elle est venue de là tout à l'heure. J'en suis sûr. C'est pas mal le fait qu'on puisse bouger comme ça. Je trouve que. Personnage qui court comme ça, ça va bien stresser. Bon, là, il y a personne, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fermé la porte par contre. Hein. Parce que vous voyez, ils sont toujours là, donc ils sont pas loin. Power usage. Oh là là. Je vais peut-être ouvrir la porte, hein. J'ai pas trop le choix, je pense. Attendez, rideau! Cours! Ferme! Il met 10 ans à chaque fois. Quoi ce truc bleu là? Ouais, non, je crois que c'est rien. Ils sont toujours là. Mais du coup, je peux me cacher s'il y en a un qui arrive? C'est très le stress. J'ai peur qu'il y ait l'autre qui me ressaute dessus, surtout. Le rideau. Bon, ça reste toujours un peu la même chose, hein, c'est sûr. C'est bon. Alors, ça change de Five Nights, c'est pas mal. Et là, il est juste là, quand même, hein. Je vais fermer la porte, là. Hein. J'arrivais pas. J'avais pas appuyé sur le bon bouton. Le rideau. Hey, en fait, ouais, voilà, c'est ça, il s'ouvre progressivement le rideau. Et à tous les coups, quand il est totalement ouvert, bah l'autre il arrive. Ouais, il est juste devant. Hein. Ah, mais regardez, power usage, il est bientôt plein. Ah, c'est bon, il est parti? Non, il est toujours là, non? Non, il est toujours là, il est toujours là. Et si je me cache? Je rouvre la porte et je me cache. C'est 4 heures. On va ouvrir la porte. Ferme le rideau. Bon, en fait, le rideau, il s'ouvre petit à petit. Putain, il est juste devant quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Moi, je m'occupe du rideau aujourd'hui. Il y a le rideau qui me fait le plus peur pour le moment. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont toujours là, ils campent, hein. Ils campent! Nom d'une babouche, ils veulent pas partir. Je suis morte.
Adieu. Ah. Ah. Bon. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai jamais poussé un cri aussi rauque, aussi, aussi bizarre. Ouais, écoutez, elle est pas mal cette démo. Le truc, c'est qu'il faudrait que je sache un peu plus que là, j'ai... Ouais, bah là, si, ils étaient devant, donc je suppose que c'est eux qui m'ont chopé. Enfin, je connaisse un peu mieux quand même les mécaniques, ça pourrait peut-être aider. Je vais aller me faire une petite infusion et je vais aller me coucher, hein. Voilà. Je suis un peu mentalement faible, là. Pourtant, j'ai joué que 15 minutes, hein, mais ça m'a suffi, voilà. On va s'arrêter, là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre épisode sur ce jeu, si tel est votre souhait. Oh. Bye bye. Et voilà. Oh, oh la vache. Is it too much?